Salutations, Tenno, c'est Colenso qui vous parle. Et oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je profite d'ailleurs de cette petite intro pour vous annoncer le retour du format Deadpool ainsi que la sortie prochaine de l'épisode sur la gestion des dégâts dans Warframe. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale sur Warframe. Vous avez deviné? Eh oui, c'est mon deuxième ad making et j'ai pas mal de choses à vous raconter. Donc, pour commencer, cette vidéo est consacrée au tout nouveau contenu de l'update 17.5, The Jordas Precept. Avant toute chose, j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé entre la 17 et la 17.5. Pour commencer, on a vu apparaître de nouvelles armes de syndicats. Les syndicats vendent désormais des armes principales pour la modique somme de 125 000 points de réputation. Bien entendu, il vous faudra posséder le rang maximum auprès d'une faction pour pouvoir vous procurer son arme. Ensuite, l'équipe de Digital Extremes a annoncé la disparition de la Warframe Ember Prime, qui n'est donc plus disponible dans le néant depuis le 6 octobre. Et enfin, la disparition d'une Prime précède souvent l'apparition d'une autre, et c'est ainsi que nous aurons bientôt accès à Trinity Prime. Maintenant que tout cela est dit, passons au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, comme presque toutes les mises à jour sur Warframe, la 17.5 corrige bon nombre de bugs, et, fait plutôt étonnant, j'ai vu apparaître pas mal d'autres bugs entre-temps. Elle offre également de nouvelles armes, de nouveaux ennemis, ajoute de certaines missions Darkwing, et on peut voir également apparaître de nouveaux consommables, certains se montrant d'ailleurs très utiles sur le champ de bataille. On a également pu observer quelques ajouts du côté du PvP, très probablement pour équilibrer les parties. Comme très souvent, on remarque également l'apparition de nouveaux skins dans la boutique, ainsi que de nouveaux Siandana, oui, encore, les robes. Hashtag rideau de douche! Personnellement, je trouve le nouveau skin de Valkyr génial, mais quand je dis génial, je veux vraiment dire qu'il est particulièrement réussi par rapport à d'autres qu'on a pu voir avant. Comme je le disais, de nouvelles missions Arkwing sont désormais disponibles. Les joueurs pourront désormais effectuer des missions de défense et de défense mobile à travers l'espace du système solaire. Notons au passage que les Arkwing sont généralement devenues plus puissantes. Pour rester sur le thème des missions, je me suis également aperçu que nos amis les développeurs ont pris l'initiative d'implanter de nouvelles portions de cartes aux missions déjà existantes, ou même à celles qu'ils ont ajoutées, ce qui ajoute énormément de diversité au jeu. Ensuite, les compétences des Warframe ont été modifiées. Pas d'inquiétude, il ne s'agit que d'équilibrage visant à donner les mêmes chances à tous les joueurs. Ainsi, le drain en énergie de pas mal de compétences ainsi que la manière dont elles interagissent ont été améliorés. L'interface aussi a bénéficié d'un petit coup de polish qui se ressent un peu au niveau des textes. Ces derniers sont plus fins et moins envahissants, les barres de vie également des ennemis apparaissent de manière plus évidente et la gestion des statuts est beaucoup plus simple. Toujours dans l'interface, les marqueurs que les joueurs peuvent mettre ont également été améliorés et permettent maintenant de cibler des médaillons de syndicats, des ressources ou même des mods avec une bien meilleure précision. Pour finir, notons l'ajout de la fonction arcane dans la fonderie qui vous permettra de gérer beaucoup plus facilement vos arcanes installées ainsi que celles à installer. Les distillateurs arcane permettent toujours de retirer une arcane d'un équipement, mais leur coût a été réduit à 50 000 points de réputation au lieu de 100 000. Et voilà qui met fin à cette vidéo sur la 17.5. Non, je déconne! On va maintenant passer au vrai sujet qui nous intéresse sur cette vidéo, et pour ça, on va commencer par le tout nouveau vaisseau implanté. Alors, qu'est-ce que le Mantis? Le Mantis est le nouveau type de vaisseau disponible dans le jeu. Oui, oui, vous avez bien entendu, il est désormais possible d'effectuer vos missions à bord d'un autre vaisseau que le traditionnel Lisette. Donc, le schéma du Mantis est disponible dans la boutique contre 35 000 crédits et les pièces du vaisseau devront être impérativement récupérées dans les caches rares ou renforcées au cours des missions. Je n'ai d'ailleurs pas le vaisseau et j'utilise donc un extrait de la vidéo d'un autre vidéaste que j'apprécie beaucoup pour vous montrer ce que peut faire le Mantis. Je salue d'ailleurs au passage Castielix et je vous conseille d'aller sur sa chaîne. C'est des délires, du gameplay et du Warframe. Bref, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Donc, pour en revenir au Mantis, il vous faudra le moteur, le fuselage et la troisième pièce dont j'ai plus le nom, pour compléter sa construction. Ouais, j'ai plus le nom parce qu'effectivement, quand j'ai fait, au moment où je regardais, tout était en anglais, donc j'ai complètement zappé le nom. Enfin bref, voici un petit tableau des ressources dont vous pourriez avoir besoin pour crafter ce vaisseau. Je vous conseille d'ailleurs de bien farmer avant de vous lancer dans la construction de ce... truc. Mais... Il vous faudra d'abord rechercher le Landing Craft Foundry Segment, pétons l'accent en anglais, segment qui se trouve dans le dojo partie de Tenno. Notez que pour ceux qui ont la flemme, de l'argent à dépenser ou même les deux, le vaisseau peut être acheté contre 150 platines dans la boutique, ça fait à peu près 8€. Mais pourquoi posséder ce vaisseau, me demanderez-vous? En fait, ce vaisseau peut effectuer un support aérien. Je m'explique. Avec ce nouveau segment, vous pourrez créer de nouveaux consommables que vous utiliserez sur le champ de bataille et qui fera apparaître une Med Tower, qui ressemble beaucoup aux capsules de survie au passage.
Cette Med Tower restaurera 100 points de santé à chaque utilisation et restera en place pendant 10 minutes, ce qui peut s'avérer être un bonus non négligeable pour les parties les plus longues. Et voilà, j'en ai fini avec ce nouveau vaisseau. On va maintenant parler de la toute nouvelle quête qui a donné son nom à cette mise à jour, The Jordas Precept. The Jordas Precept est la nouvelle quête implantée par la 17.5. Cette quête nous raconte l'histoire d'un céphalon en détresse. Cette mission peut être initiée après avoir vaincu Tilregor sur Uranus, mais si, vous vous souvenez, le boss remanié par l'update 17. Donc, une fois Tilregor vaincu et l'accès à Eris obtenu, vous pourrez démarrer la quête dans votre codex. Une fois le céphalon contacté, il vous faudra vous rendre sur Eris pour farmer des composants un peu particuliers. Je dis que ces composants sont un peu particuliers car ils ne se droppent que sur les nouveaux ennemis infestés, j'ai nommé les Juggernauts, ou mastodontes en français. Ces nouveaux ennemis ne sont présents que sur Eris, et il vous faudra massacrer des infestés à la pelle avant d'espérer en croiser un. Enfin, beaucoup, je veux pas dire avec une pelle, bref. Une fois tous les composants obtenus, vous pourrez crafter le nouvel objet selon le schéma suivant. Mais ce n'est pas fini! Il vous faudra aller tester ce nouvel objet en mission avant que Jordas ne vous dise qu'il faille l'améliorer. C'est donc après une séance de farm que vous allez devoir retourner farmer du cristal d'argon pour pouvoir créer ce nouvel objet, car effectivement, ce nouvel objet vous demande 3 cristals d'argon. Une fois ce nouvel objet terminé, vous devrez retourner en mission pour le tester. Encore. Vous affrontez une version améliorée du Juggernaut pendant cette ultime mission. Il s'agit du Juggernaut Behemoth. Sous ses faux airs de boss, vous vous rendrez vite compte qu'il ne représente pas la véritable menace de cette quête, puisque vous êtes aspiré dans l'espace pour un nouveau combat en Arcwing contre un ennemi qu'on n'avait pas revu depuis longtemps, le J3 Golem. Une fois la quête terminée, le Jordas Golem est déverrouillé et vous obtenez le schéma de la nouvelle Warframe Atlas. On va maintenant s'attarder sur ces deux derniers éléments. Après avoir vaincu le Juggernaut Behemoth, le Tenno est aspiré dans l'espace et Ordis déploie l'Arcwing pour lui sauver la vie. C'est à ce moment précis que le combat contre le vrai boss commence, et je vous assure qu'il vous faudra vous accrocher pour vaincre celui-ci. Notons d'ailleurs que J3 Golem est le premier boss en Arcwing. Alors, que faut-il savoir sur ce boss? Alors, pour commencer, le boss est invulnérable, sauf au niveau des moteurs, son seul point faible. Il possède 4 attaques qu'il est préférable d'éviter vu les dégâts qu'elles infligent. Citons dans l'ordre, le canon laser, l'amorce plasma, la vague de feu et le lanceur de larves. Il se déplace sans arrêt entre plusieurs points, ce qui ne facilite pas l'accès à son point faible. Phew! Parlons rapidement de ces 4 attaques. Tout d'abord, le canon laser est une sorte de grand rayon. Cette attaque n'est pas très puissante, mais passe à travers les murs, ce qui peut vous compliquer la tâche, surtout pour ce qui est de l'esquive. L'amorce plasma se compose de 2 grosses boules d'énergie violette que le golem lance sur les ténos. Chaque boule d'énergie peut littéralement pulvériser vos boucliers et, combiné aux attaques des mutalistes, peut réellement vous mettre en danger. Notons que, comme le canon laser, l'amorce plasma passe à travers les murs et donc réduit grandement vos possibilités d'esquive. La vague de feu est une sphère de flammes grandissante qui vous infligera le statut feu, en plus de vous infliger d'importants dégâts directs. Le boss utilise cette compétence lorsque les joueurs s'approchent trop de lui. Le lanceur de larves, quant à lui, cible une très petite zone derrière le J3 Golem. Cette compétence est une sorte de dissuasion destinée à empêcher les joueurs d'approcher trop près des propulseurs du J3. Bon, voilà pour ce qui est des compétences de ce boss. Avant de passer au dernier sujet de cette vidéo, résumons les choses importantes à retenir sur ce boss. On ne peut faire de dégâts à ce boss que si on l'attaque au niveau des réacteurs situés dans son dos, la plupart de ses attaques traversent les murs et les drones qui l'accompagnent repopent en boucle tant qu'il n'a pas été tué. A part ça, je vous conseille d'utiliser la capacité désarroi de l'Odonata pour éviter les dégâts de l'amorce plasma, et les capacités de l'Izal pour vous mettre rapidement en position derrière le J3 Golem, ainsi que pour DPS avec une certaine sécurité. Sinon, je ne peux que vous souhaiter bonne chance, et une fois le boss vaincu, vous looterez une des pièces de la toute nouvelle Warframe Atlas. Rassurez-vous, Atlas n'exigera pas autant de composants qu'Equinox, mais il vous faudra quand même construire les 3 parties de la Warframe, le casque, le châssis et les systèmes. Je mets le tableau de ressources pour ceux qui seraient intéressés. Comme vous pouvez le voir, cette Warframe a un coût de production très élevé. Aussi, je vous conseille de farmer, encore, pour ne pas trop galérer en termes de composants. Chaque partie mettra 12 heures à crafter, et la Warframe complète mettra, comme toutes les autres, 3 jours à se terminer. Après, l'obtenir c'est une chose, mais apprendre à la maîtriser en est une autre. Alors, en termes de pouvoir, Atlas est la Warframe qui contrôle la Terre, ses 4 compétences faisant appel à la roche. Son premier pouvoir, éboulement, vous permet d'enchaîner vos ennemis avec de puissants combos dévastateurs. Les dégâts infligés aux ennemis augmentent avec le nombre de coups touchant leur cible, et l'énergie demandée par le pouvoir, quant à elle, diminuera au fil des ennemis tombant sous vos coups. Tectonix vous permettra de générer un mur de pierre qui vous protégera, ce qui est très pratique pour se mettre rapidement à couvert, mais ce n'est pas tout. Si vous activez de nouveau la capacité, le mur de pierre se transformera en avalanche qui réduira vos ennemis en bouillie avant d'exploser au visage des quelques survivants.
Le troisième pouvoir d'Atlas, pétrification, transformera vos ennemis en statues de pierre tout en leur infligeant des dégâts. Pendant que vous utilisez ce pouvoir, votre Warframe ne pourra pas manier d'armes et sa vitesse de déplacement est fortement réduite. Tout comme les ennemis gelés par les pouvoirs de Frost, les ennemis pétrifiés sont très vulnérables aux dégâts d'impact, mais bien entendu, ce pouvoir est quasi inefficace sur les boss. Et pour finir, Tremblement invoquera deux élémentaires de pierre qui se battront à vos côtés. Ils peuvent se battre au corps à corps ou lancer des pierres aux ennemis volants ou distants. L'IA des élémentaires n'est pas extraordinaire, mais ce pouvoir peut rapidement se montrer intéressant selon la situation. Notons d'ailleurs que les élémentaires explosent si la capacité est désactivée et que leur taille sera partiellement définie par le niveau de puissance de votre Warframe. Enfin, la rapidité des golems peut être améliorée en augmentant la portée de vos pouvoirs. J'espère que ce rapide résumé vous aidera à vous faire une idée du potentiel de cette Warframe, et on se retrouve tout de suite in-game pour voir ça. Et salut tout le monde, c'est Colenzo et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de gaming, de démonstration d'Atlas. Donc le voilà, il est grand, il est beau, il est fort. Et bah voilà, on va pas tarder à y aller. Donc je vais tout vous montrer. Donc voilà, ici nous avons la Warframe Atlas avec les trois nouvelles armes, le Convectrix, le Sonicor et le Techo. Donc on va faire la démonstration de tout ce bazar en même temps. Et en termes de skin, je me suis mis le nouveau Siandana, enfin un des deux nouveaux Siandana, le Higaro. J'ai pas pris l'autre, là, la robe, enfin l'espèce de rideau de douche, parce que je trouve pas ça très beau. Donc je me le suis pas pris, je trouve ça assez moche. Bah, regardez d'ailleurs, hein, Opulas. C'est un rideau de douche, c'est pas beau, enfin bref. Même dans mes couleurs, c'est pas beau. Voilà, donc ça c'est dit. Donc je vais lancer une mission un peu classique, une extermination ou un truc comme ça. Je vais la prendre sur une planète intermédiaire, genre ouais, Saturne, c'est pas mal. Donc c'est pas pour la facilité de la mission, mais c'est que j'aimerais avoir le temps de tout vous montrer. Donc je prends une mission pas trop chiante à faire en fait. D'ailleurs je vais la faire en solo, comme ça je pourrais mieux vous montrer l'étendue des pouvoirs de la Warframe. Donc nous allons faire une survie, tiens, c'est bien. Ouais. Et je resterai en maximum de 20 minutes, mais bon, je vais voir, je partirai peut-être avant, je vais peut-être même crever puisque je maîtrise pas parfaitement la Warframe. J'ai capté le potentiel de la plupart des pouvoirs de la Warframe, après c'est clair que je suis pas encore le plus à l'aise du monde avec, puisque ça fait que 2 ou 3 jours que je l'ai. Donc voilà. Donc, en fait, je l'ai que depuis hier, donc j'ai dû un peu farmer pour pouvoir vous montrer tout ça, puisque j'ai monté les armes niveau 30. J'ai essayé de les modder du mieux que je pouvais. Donc là, on va pas parler de build parce que c'est trop tôt en fait. Je suis pas sûr que ce que j'ai fait fonctionne parfaitement bien. Ça avait l'air efficace. Mais voilà. Donc voilà, on va commencer la survie. Et oh bah, bidouilleur, ça va être vite réglé. Et voilà, vous pouvez voir, c'est la classe. J'ai les mains en feu. Alors, d'ailleurs avec ma petite sentinelle Carrière Prime et ses petites apparences Prisma, voilà. Donc on va commencer par vous montrer le test du Convectrix. Donc c'est la nouvelle arme principale. Ça tire deux lasers simultanément en fait. Et d'après ce que j'ai pu voir, ça fait pas mal de dégâts. C'est un peu un gamma core mais en arme principale et en un peu plus puissant. Donc à tous ceux qui aiment le gamma core, foncez, c'est une super arme. Donc regardez-moi ça. Bon là j'ai pas eu le temps, c'est ma sentinelle qui l'a déboîté avant. Ben là, je pense que vous pouvez voir. Dessus j'ai un build explosif corrosif, donc de l'anti-grenier par excellence. Voilà, donc vous pouvez voir que ça reste une arme quand même assez efficace. Comme c'est du canalisé, on peut faire pas mal de dégâts avec. Bah tiens, je vais me mettre dans un coin, je serai plus efficace. Donc là, vous pouvez voir qu'effectivement, les ennemis, je les grille. Et c'est pas parce que c'est du niveau 13, hein. J'ai fait des missions avec des ennemis niveau 40 et je les grille pareil. Donc pas de soucis. Là, j'ai juste pris une mission plus bas level pour prendre moins de dégâts et pour pouvoir prendre plus de risques et vous montrer, pouvoir mettre en évidence les compétences de la Warframe. Mais je vous rassure qu'avec les builds que j'ai fait là, ça fonctionne parfaitement. Si vous voulez voir les builds, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires. Je les donne. Enfin, je les donnerai une fois que j'aurai vérifié qu'ils peuvent être viables à haut niveau en fait. Ok, donc voilà, hein, vous pouvez voir le Convectrix, c'est vraiment une arme assez puissante.
Et bah du coup avec le build que j'ai fait, je les intègre assez facilement, même ceux qui sont blindés. Alors maintenant on va passer au Sonic Core. Donc regardez-moi ça. Boum. Allez, pow. Donc contrairement à ce que ça peut laisser penser, cette arme fait surtout des dégâts d'impact. Donc je vous l'accorde, c'est pas le meilleur choix contre les Grenir, mais les dégâts qu'elle fait sont tellement élevés que ça vaut le coup en fait. Finalement, ça vaut le coup. Voilà, donc là j'en profite, hein, comme je tue plein d'ennemis pour vous montrer les armes, je peux récupérer de l'énergie et je pourrais mieux vous montrer les compétences après. Donc là vous voyez, en plus ça permet de neutraliser facilement les pièges Grenir, ce qui est quand même un avantage, puisque d'habitude soit les armes sont pas assez précises et du coup on touche pas, ou soit elles le sont trop et du coup ben on galère à toucher en fait. Parce qu'il faut prendre 3 heures pour viser le tout petit point de la porte, enfin bon. Toute une affaire quoi. Donc voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous montrer comment fonctionne le Sonic Core pendant 3 heures? Je suis pas sûr. Ok, donc maintenant on va passer à l'arme de corps à corps, j'ai nommé les Techos. Et là, j'ai pas choisi le meilleur endroit du monde. Donc là, vous pouvez voir, ce sont des armes à très courte portée. Je précise que je n'ai pas mis atteinte pour les booster. C'est leur portée d'origine, j'ai juste monté les dégâts à fond. Donc vous pouvez voir que niveau dégâts, c'est pas mauvais. C'est pas mon arme préférée, hein, clairement. L'arme qu'ils nous avaient mis pour l'update, je crois que c'était l'update 17 avec Equinox, j'avais largement plus apprécié, donc c'était les Hackebrunt, puisqu'elles sont rapides et elles ont quand même pas mal de dégâts avec un peu plus de portée. Mais bon après, je pense que c'est une affaire de goût. Je pense que ceux qui aiment les armes de poing vont adorer celle-là. Vous pouvez voir que c'est vraiment très agréable à... Enfin moi j'ai trouvé ça assez agréable à prendre en main. Puis ça fait un petit skin sympa sur les mains, ça colle vraiment à Atlas en fait. Dans la description, ils mettent que c'est son arme préférée. Mais bon, vous pouvez voir qu'au niveau dégâts, on n'est pas à la rue non plus. Ok, donc maintenant, je vais repasser au Sonic Core, puisqu'il sera plus pratique pour la suite de la vidéo. Donc là, je vais attendre d'avoir un attroupement pour vous montrer la première compétence de cet Atlas. Et vous allez voir que bah, c'est assez pas rien, cette première compétence. Elle est vraiment intéressante. Voilà, donc vous voyez hein, le tir du Sonic Orb qui rebondit quand il n'a pas de cible. Donc vous voyez, la première compétence en fait, je mets des coups de poing aux ennemis comme ça, tout en activant une espèce de décharge sismique. Et ça fait du dégât de zone, mais sur une petite zone. Et il faut savoir un truc avec cette compétence, c'est que plus on frappe, plus elle fait de dégâts, et moins elle demande d'énergie. Sachant que bah, du coup, c'est le multiplicateur de critique qui change en fait. Donc regardez, hop, hop. Donc c'est vraiment pas dégueu comme compétence. Moi j'aime beaucoup ce principe. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire, si ce n'est qu'elle est vraiment très efficace, notamment contre les infestés. Puisque du coup, comme ils sont tout le temps en train de se mettre en pack sur vous, ça c'est le genre de compétence qui vous permet de les enchaîner et de faire un maximum de dégâts assez rapidement en fait. Mais bon, vous voyez que contre des Grenir ou des Corpus, ça peut être tout aussi efficace. Alors ensuite, on va passer à cette deuxième compétence qui est tectonique. Alors celle-là, je l'aime beaucoup, regardez, je fais un couvert. Donc déjà, vous voyez, ça me permet de gérer plus facilement les ennemis. Donc là, j'ai pas choisi le meilleur endroit parce que voilà. D'autant plus que ça arrive par derrière. Enfin bon. Attends. Donc voilà, ça, c'est la particularité de cette compétence. Quand je la réactive, je balance le couvert sur les ennemis. Donc je vais essayer de vous montrer ça, mais en balançant le couvert vraiment sur les ennemis. Je vais le mettre dans ce sens-là, ce sera plus logique. Voilà donc. Je vais attendre qu'il s'approche un petit peu. Hop. Et là, hop, je le balance sur les ennemis. Et là, vous pouvez voir les dégâts que ça fait. Je vous assure que niveau dégâts, c'est pas dégueulasse. Et ce mur de pierre peut vraiment vous aider au niveau de la gestion. Vous voyez, là je suis vraiment pas dans la meilleure zone question couvert. Et je peux quand même gérer ça de manière efficace. C'est-à-dire que voilà, je me mets là, hop, et c'est parti. Je gère en fait ce qui arrive de ce côté-là. Quand je vois que les ennemis commencent à passer, hop, j'envoie mon couvert. Et les rares survivants se prennent une décharge monstrueuse dans la gueule. J'adore ce genre de compétences, c'est génial. Donc, je vais le faire une troisième fois parce que j'aime bien cette compétence, je la trouve assez fun à jouer. Par contre, je vais aller me mettre dans un endroit un peu plus couloir pour bien vous montrer l'étendue des dégâts. Alors, une petite salle. Je vais essayer de vous montrer ça. Ah ouais, là c'est parfait.
C'est tout à fait le genre de truc qu'il me fallait. Donc là voilà, on va laisser les ennemis arriver. Là vous voyez, je peux même les choper au compte-goutte à travers le... Donc là voilà, il y a pas mal d'ennemis. Hop. Voilà, j'ai pas touché le nombre de cibles que je voulais. J'ai un peu merdé mon coup. Donc on va retuer quelques ennemis, ouvrir quelques conteneurs parce que là j'ai plus d'énergie. Mais voilà, j'ai envie de vous montrer en fait les dégâts de masse que ça peut faire cette compétence. Parce que je pense que bah les joueurs de Warframe, enfin ceux qui sont habitués à jouer et qui me regardent, savent qu'il y a des Warframe Profile. Donc c'est des vidéos qui présentent les Warframe. Et moi je trouve ça très pratique quand on n'a pas la Warframe et qu'on veut se faire une idée. Et le truc c'est que le Warframe Profile d'Atlas, si tu veux, elle met en valeur cette compétence, mais je trouve qu'elle ne la met pas assez en valeur. Et j'aimerais vous montrer l'étendue des dégâts qu'on peut faire avec en fait. Voilà, vous voyez, hein, ma sentinelle qui explose les ennemis, c'est assez violent. Hop. Donc là vous voyez, c'est quand même, c'est pas dégueulasse, hein, niveau compétence. Voilà, donc là, on va passer à la troisième compétence, pétrification. Alors celle-là, c'est étonnant parce que j'ai croisé pas mal d'Atlas en farmant. Et j'ai pas vu beaucoup de monde l'utiliser, étonnamment, cette compétence. Et pourtant, je trouve qu'elle a un potentiel énorme. Donc là déjà, on va activer la survie, ce serait bête de crever comme une merde. Hein. Clac. Voilà, donc là, ceux qui me regardent disent « Ah putain, tu fais de la merde et tout !» Ouais, mais c'est normal, oubliez pas que présenter un jeu en parlant, c'est pas évident, et que la survie en elle-même déjà est pas évidente. Donc, faut pas oublier, enfin, faut pas perdre ça de vue. Donc voilà, regardez, pétrification. Voilà, en fait, ça transforme les ennemis en pierre en leur faisant des dégâts. Donc là, comme les ennemis sont bas level, ils vont pas aimer. Et en fait, ça les rend très vulnérables aux dégâts d'impact. Donc, cette compétence est super pratique pour ça. Là je peux pas vous le montrer parce que je l'ai pas, mais quand je joue le Simulor Sinoïde, qui est probablement une de mes armes préférées, j'utilise pétrification, derrière j'utilise le Simulor et je fais des dégâts monstrueux. Ah d'ailleurs au passage, que je vois un ennemi qui aurait pu me stun, Atlas est insensible au renversement, et ça je pense qu'il fallait le souligner parce que c'est vraiment... Enfin, je pense que c'est... Il y a beaucoup de joueurs qui sont tout le temps là en train de se dire « Ah putain, ça fait chier, j'arrête pas d'être renversé. » Alors il n'y a pas que la solution des mods. Vous pouvez directement prendre Atlas qui lui ne sent pas les renversements. Même les vagues de feu des incendiaires du coup ne vous feront plus rien. Et ça c'est plutôt cool. La seule chose, bah vous serez un peu repoussé mais vous serez pas renversé. Ça vous permet de pas galérer du tout. Alors... Ok, donc ça c'est bon. Je vais essayer de vous faire une démonstration, mais avec beaucoup d'ennemis. Je vais aller me mettre quelque part en hauteur. Ouais, là, c'est bien. Bon, là, vous voyez, les mobs qui essaient de faire une tactique, mais du coup, enfin, c'est moyennement ça, quoi. Alors, pétrification. Enfin, bon, je pense que ça peut vous donner une idée assez rapide de l'étendue de cette Warframe. Moi je la trouve très intéressante. Après, toutes ces compétences ont une valeur plus ou moins tactique. Après, là je vais vous montrer l'ulti, donc la compétence ultime. Et là je peux vous assurer que celle-là, elle déménage. Donc là, j'ai un build avec un peu de puissance. J'ai juste colère aveugle à fond dans la Warframe, hein, je précise. Parce que la taille de ce que je vais invoquer est définie par la puissance. Donc regardez. Et bim. Et voilà, je sors mes golems. Et cela, je peux vous assurer qu'ils déménagent, hein, même à haut niveau. Bon, l'IA est pas exceptionnelle, mais par contre, ils font pas mal de dégâts. Donc, pour faire rapidement le ménage, je vous les conseille, parce qu'ils sont très efficaces. Et pour peu que vous activiez pétrification, ou que vous ayez une arme style Sonic Orb, alors là, vous pouvez faire le ménage très vite. Hein. Vous voyez que là, rien que le fait de les avoir rend la survie extrêmement facile. Je peux même me concentrer davantage sur les capsules, plutôt que de perdre mon attention sur les ennemis et de risquer de mourir bêtement, en fait. Voilà. Ah, napalm. Voilà. Donc on va attendre que les flammes disparaissent, sinon je vais crever comme une merde. Voilà.
Donc là, vous voyez, mes golems durent une minute à peu près. J'ai quelques mods pour la durée, mais bon, c'est pas, je suis pas en full durée, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, là, j'ai juste un build, j'ai un build plus ou moins équilibré en fait, parce que j'ai vu que à peu près toutes les stats avaient leur importance avec Atlas. Donc ne vous dites pas, par exemple, je vais mettre que de la puissance, puisque bah, par exemple, si vous mettez que de la puissance, vos golems ne tiendront à peine, tiendront à peine 10 secondes, quoi. Enfin, et des golems, quand ils ont cette puissance, 10 secondes, c'est dommage, quoi. Donc voilà, on les réinvoque et c'est parti. Donc là, vous allez surtout me voir jouer avec les golems, parce que bah, en survie, je pense que c'est ce qui va me servir le plus. Bon, après, hein, je vais pas rester genre 40 minutes, hein. Je reste un peu pour pouvoir vous montrer l'étendue des compétences. Donc normalement, on peut réactiver le pouvoir pour les faire exploser, les golems. Mais ça n'a pas encore dû être implanté, parce que quand je le fais, moi, ça les détruit juste sans les faire exploser, en fait. Donc voilà, là, je vais pas le faire, mais c'est pour vous le dire au passage, pour le moment où ce sera implanté. Ok. Donc là, vous voyez, hein, avec toutes ces nouvelles armes, on est plutôt à l'aise. Donc comme vous aurez pu le constater, j'ai une préférence pour le Sonic Core plutôt que le Convectrix, mais le Convectrix c'est quand même une bonne arme, je trouve, parce qu'elle fait quand même des dégâts assez soutenus. Bon, le seul inconvénient du Convectrix c'est vraiment le temps de chauffe, mais bon, ça je pense qu'on peut s'en accommoder. Enfin, moi je trouve pas ça très gênant. C'est pas aussi gênant que le temps de chauffe du Gorgon, que là par contre je le trouve vraiment abusé, quoi. Il faut au moins 2 ou 3 secondes à l'arme pour arriver à une cadence de tir optimale. Enfin, placer ça sur un champ de bataille dans Warframe, c'est juste infaisable, quoi. Donc là, vous voyez, hein, les golems toujours efficaces. Voilà. Et du coup, ils font une bonne diversion, je trouve. Hop. Vous voyez, par exemple, je peux repasser sur ma première compétence et bim. Ouais, j'aime beaucoup toutes les compétences d'Atlas, elles sont vachement utiles. Bon, après, la première compétence, je l'utilise pas tout le temps, ça dépend par exemple bah, de l'équipe dans laquelle je tombe, puisque je joue beaucoup en équipe aléatoire. Oui, voilà, je le précise, j'ai effectivement un clan, mais le problème avec mon clan, c'est que c'est composé, bah, on est une bande de potes en fait qui avons décidé de jouer à Warframe ensemble. Le seul souci avec ce genre de truc, et ça vous le savez je pense, c'est que bah on n'est pas toujours actif en même temps et on n'est pas toujours actif tout court en fait. Donc voilà. Mais bah du coup je fais beaucoup en pick-up, des fois je joue avec des potes, enfin voilà, c'est. Je pense que c'est comme tout le monde, assez disparate au final. Bon, enfin là vous voyez, je suis pas trop en danger avec les nouvelles armes et les compétences d'Atlas qui sont quand même assez badass de base. Voilà, je pense que vous avez vu, hein, le niveau monte un peu. Bon, les ennemis lourds, le Sonic Core est pas fait pour gérer des ennemis blindés, puisque c'est des dégâts d'impact et que les dégâts d'impact sont quand même vachement moins efficaces contre les ennemis blindés. Mais vous voyez que ça fait quand même le taf, hein. Les dégâts sont tellement élevés que on peut quand même gérer les ennemis blindés assez facilement. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on va pousser un peu jusqu'à 20 minutes, mais bon, là, je pense que vous avez vu l'essentiel que je pouvais vous montrer sur Atlas. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'avais pas fait de... comment s'appelle, de vidéo pour les armes de l'update 17, c'est parce qu'en fait, je les avais pas à ce moment-là. Et bah, je pense que je vous ferai une vidéo donc où je rejouerai un petit peu Equinox, mais avec les armes de l'update 17. Et comme ça je pourrais vous montrer le potentiel de ces armes, parce qu'il y a vraiment des trucs intéressants. Notamment l'arme secondaire et l'arme de corps à corps, je les ai vraiment trouvées intéressantes. Et je pense vraiment qu'en mélangeant celle de l'update 17 et celle de l'update 17.5, on a moyen d'obtenir un build intéressant. Ah oui, d'ailleurs tant que j'y suis, puisque je demande régulièrement des retours bah, à mes proches pour les vidéos, comme la plupart des vidéastes, on m'a dit qu'éventuellement certaines personnes pouvaient être plus ou moins allergiques à l'anglais. Bon, déjà ça me surprend un peu quand on me dit ça, mais bon, c'est le genre de critique que j'écoute. Et je me suis dit, et là je préfère vous soumettre l'idée, je me suis dit que je pouvais faire un petit lexique de tous les termes
de tous les termes qu'on peut employer dans Warframe et même en gaming en général, pour que vous soyez moins perdu. Parce qu'effectivement, la plupart du temps, j'essaie de pas employer ces termes-là parce que de base, moi, j'essaie de parler la langue française normale en fait. Hein. Je suis pas tout le temps à utiliser des MDR, des swag et autres joyeusetés du genre. Ouf, ça fait vieux. Et voilà, donc je me suis dit qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui comprendraient moins ce langage. Donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si vous voulez une vidéo plus ou moins explicative. Moi, de toute façon, j'avais plus ou moins prévu d'en venir sur ces sujets-là. Donc ça ferait arriver les vidéos plus tôt, je pense. Voilà. Donc j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Donc là, vous voyez, hein, les armes toujours aussi efficaces. On va repasser un peu au Convectrix, histoire de se marrer un petit peu. Et là, les ennemis blindés, je les encule, parce que le Convectrix est super efficace contre les ennemis blindés. Ouais, vous voyez, le temps de chauffe du Convectrix, c'est une seconde le temps que le rayon s'aligne. Donc je pense que si vous êtes un joueur à peu près confirmé, vous arrivez à gérer. Puis pour peu que les ennemis arrivent en ligne, là vous vous faites plaisir. Alors là, vous voyez, je peux souligner un petit truc aussi avec le Convectrix. C'est, voilà, par exemple, je tue un ennemi. Et là, il faut attendre que l'ennemi, que l'arme déchauffe, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, elle est à sa cadence de tir maximale et il faut attendre qu'elle s'arrête avant de pouvoir recharger. Donc voilà, au début, ça, on ne sait pas forcément. Donc si vous avez vu cette vidéo, maintenant, vous le saurez. Donc si vous êtes tenté de prendre cette arme, vous pouvez y aller, c'est une bonne arme. Bon, là, vous voyez, il y a une portée maximale. C'est pas comme avec, par exemple, les Boltors où je peux tirer à l'autre bout de la salle. Donc voilà, après tout ça c'est des détails, hein. C'est pareil, le Sonic Core je peux pas tirer à l'autre bout de la salle non plus avec, mais je pense qu'on peut s'en accommoder, c'est pas très grave comme détail. Voilà, voilà. Hop, je récupère mon Sonic Core et let's go. Donc là vous voyez, portée maximale un peu moins élevée que celle du Convectrix, mais c'est pas illogique. Voilà, vu que j'ai pas sorti de compétences, on va ressortir les golems. Et ouais, tiens, je pense que je vais planter la tente ici, c'est bien ça. Voilà, donc là, vous voyez la petite direction qui est sortie par erreur, hein, ça arrive. Ouais, allez, c'est ça, ta gueule. Ça c'est fait. Voilà, on la ressort. Donc là, comme je le disais, je pense que je vais extraire à 20 minutes. J'ai pu montrer tout ce que j'avais à montrer. Hop. Oula. Voilà, vous voyez, hein, j'ai encore du mal avec les nouvelles mises à jour du parcours de l'update 17. Elles sont pas évidentes à gérer. Mais bon, globalement, on bouge quand même vachement mieux qu'avant. Tac. Ah, donc là je suis encore en train de me demander si le système de survie va tenir assez longtemps pour l'extraction. Bon, on va courir et ça va le faire, on va courir. Là, ok, c'est là. On a juste à défendre le point. Ce qui, soit dit en passant avec cette nouvelle Warframe, est totalement faisable. Là vous voyez, sur un cul-de-sac, cette Warframe est géniale pour défendre. On met le mur, les golems et c'est parti. Et nous voilà rendus à l'extraction. Ouais, donc après, au niveau des loots, je sais pas trop ce que ça donne. Je crois qu'ils ont rien touché. Mais bon, on verra. S'il y a une modification, je mettrai un petit sous-titre. Mais normalement, ils ont rien dû toucher, question loot. Voilà, donc aussi, une petite nouveauté de la 17.5, c'est les petites pièces du vaisseau qui bougent. Bon, ça c'est un petit détail, mais d'ailleurs ils l'ont pas mis ça sur le note de mise à jour, ça c'est plutôt les joueurs qui l'ont remarqué. Mais bon, ça forcément, hein, sur un écran de chargement, ça se remarque. Voilà, donc hein, vous voyez, hein, les temps de chargement toujours aussi longs. Bon, ça, c'est pas grave, on peut bouger le vaisseau, c'est drôle. Hop. Ok. Eh bien voilà, c'était Colenso. On a pu faire la démonstration de cette nouvelle Warframe qui est quand même exceptionnelle, je trouve. C'est pas aussi puissant qu'un Chroma ou qu'un Equinox, mais ça se laisse jouer, c'est super agréable à prendre en main. Donc sur tous les joueurs qui peuvent me regarder, n'hésitez pas à l'essayer si vous le pouvez. Le seul truc un peu chiant, c'est la quête, mais bon, voilà.
Donc, c'était Colenso des Connectic Warriors Entertainment. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Google et sur plein d'autres trucs. N'hésitez pas aussi d'ailleurs à nous linker d'autres éventuelles plateformes où on pourrait apparaître. Ça nous ferait toujours plaisir de rentrer en contact avec une communauté. Allez, salut tout le monde, tchuss!